Portée disparue depuis le 25 novembre 2022, les corps de Leslie et Kevin ont enfin été retrouvés par les enquêteurs samedi 4 mars 2023. Alors que 3 personnes ont été écrouées, le mobile de ce double meurtre reste encore à éclaircir. L'enquête sur la mystérieuse disparition de Kevin Trompa et Leslie Ourelbeck, respectivement âgés de 21 et 22 ans, semble sur le point d'arriver à son terme. Pour mémoire, le jeune couple était porté disparu depuis le 25 novembre 2022. Ce jour-là, ils avaient passé la soirée à Praec, une commune de 2000 habitants située à proximité de Deniors, dans le département des Deux-Sèvres. Après plus de 3 mois d'enquête, les autorités ont découvert 2 corps, qui ont malheureusement été identifiés comme étant ceux de Kevin Trompa et Leslie Ourelbeck. Si est le cadavre du jeune homme qui a été exhumé en premier le vendredi 3 mars 2023, tandis que celui de sa défunte compagne fut retrouvé le lendemain en fin de matinée. Le corps de Kevin a été découvert sur le territoire de Puyraveau, une commune jouxte en Virson, alors que celui de Leslie a été retrouvé dans un bois de ce village comptant 700 habitants, situé non loin de Surgères en Charente-Maritime. Selon les informations dévoilées par Le Parisien, les 2 cadavres étaient enterrés et recouverts de chaux vives, ce qui accrédite la thèse d'une exécution planifiée. Pour mémoire, au début des investigations, les enquêteurs pensaient que le couple avait pu vouloir disparaître volontairement. Des vérifications avaient alors été effectuées à travers la France, et même au Portugal. Cependant, les autorités ont rapidement privilégié la piste criminelle, en raison de plusieurs indices validant cette hypothèse. Entendu une première fois comme témoin, Tom Trouillet, chez qui Leslie et Kevin devaient se rendre la nuit de leur disparition, fut placé en garde à vue. Décrit comme gentil, serviable et un peu nounours, ce jeune homme âgé de seulement 22 ans a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, avant d'être placé en détention provisoire. Par la suite, les enquêteurs ont aussi placé en garde à vue une connaissance de Tom Trouillet, Nathan Badji. Ce dernier était mis en examen pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour. Leslie et Kevin, une rivalité amoureuse à l'origine de leur mort? Enfin, un 3e homme, prénommé Enzo C. fut lui aussi mis en examen et placé en détention provisoire pour les mêmes chefs d'inculpation. Après avoir retrouvé les corps de Leslie et Kevin, les enquêteurs vont désormais devoir déterminer quel était le mobile de ce crime, ainsi que les rôles joués par les différents suspects. À ce stade des investigations, plusieurs pistes semblent envisageables. Dans une interview accordée aux Parisiens, Tom Trouillet avait avoué avoir entretenu une liaison amoureuse avec Leslie, avant de la présenter à Kevin. Certaines personnes pensent peut-être que j'étais jaloux, mais pas du tout, j'étais très heureux pour eux, avait-il cependant affirmé. L'hypothèse d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue semble également plausible, étant donné que l'enquête a mis en évidence que Tom et Kevin étaient tous les deux des dealers. Toujours selon les informations du Parisien, Tom Trouillet aurait pu servir de nourrice pour le défunt compagnon de Leslie. The man I love just has